Bonjour, mon ami. Aujourd'hui, les paroissiens ont trouvé un corps à Notre-Dame. Les plaisantins l'appellent déjà le pénitent. J'en conclus que justice a été rendue. Pas encore. Siver avait un complice la nuit où Monsieur de la Serre a été assassiné. C'est lui qui a porté le coup fatal. Cela soulève des questions troublantes. Qu'as-tu appris? Il a agi avec un homme appelé le roi des thunes. Le roi des mendiants? En es-tu sûr? Vous le connaissez? De nom. Les mendiants lui versent tribut. Mais cet homme est un fantôme. Nous avons envoyé 3 assassins à cette rousse. Les 2 premiers n'ont rien trouvé. Le 3e n'est jamais revenu. Je peux le trouver. Siver a parlé à l'un de ses lieutenants. Je dois à la mémoire de Monsieur de la Serre de découvrir la vérité. Peut-être en es-tu capable. Tu as fait tes preuves en tant qu'assassin aujourd'hui. Et un assassin doit être muni des bons outils. Donc, si je comprends bien, la lame secrète et les bombes fumigènes, c'était juste un avant-goût, c'est ça? La lame fantôme. Une modeste amélioration de la lame traditionnelle des assassins. Là où tu dois aller, tu devras rester à distance de tes ennemis. Très bien. Assassin, ce conseil t'ordonne de te rendre à la cour des miracles. Trouve le Templier qu'on nomme le roi des thunes. Découvre ses secrets. Et apporte-lui la paix. Hey, Arnaud.
certain groupe nous maudit. Sortir, il n'arrivera rien faire. Ce sac à vin fait perdre mon... J'espère qu'il ne va pas voir. Quelque chose les agite. La cour des miracles. Oui. Il y a bien travail. J'ai vécu dans les colonies il y a quelques années. Ça, c'était vraiment. Garde une main sur ta bourse et tout ira bien.
quand on ramène pas sa mesure, lui. Docteur, fais-lui le pied. Le voilà, le lieutenant du roi des thunes, la touche. Je ne m'y risquerai pas. Regarde. Oh, splendide, non? Le bon peuple de Paris donne plus d'argent aux mendiants estropiés qu'à ceux encore intacts. Le roi des thunes trouve dans cette opportunité le moyen nécessaire à stimuler ses employés les moins prospères. Cet homme a déjà perdu son pied. Certes, tu peux charger dans le tas et causer un joli tumulte qui renverra tous ces rats dans leur trou. Ou tu peux te mêler à la meute et suivre les rats doucement jusqu'à leur souverain. Quoi que tu fasses, cet homme ne reverra pas son pied. C'est fait. Escortez-le à l'infirmerie pour cautériser la plaie, puis renvoyez-le dans la rue. Allez, toi, debout. Merci, j'apprécie le conseil. Pas encore. Qui êtes-vous, au juste? Et pourquoi m'aidez-vous? Cela fait quelque temps que je t'ai à l'œil, Arnaud. Je considère qu'il est de mon devoir d'aider ceux qui ont connu, tout comme moi, l'emprise cruelle de la Bastille. Et j'ai un intérêt bien personnel à voir le roi des rats. Enfin, prise au piège. Quant à mon nom, j'ai le grand privilège d'être Donatien Alphonse François, marquis de Sade. Viens me rendre visite quand tu te seras lassé de chasser la vermine. Oh, quelle belle trace il laisse. Bonne chance. Cheminée. Celle que sa grâce a installée quand il a pris le pouvoir sur la terre. On ne traîne pas, les gars. Sa grâce n'apprécie pas les lambins. Du froid. Oh, je surestime beaucoup plus. Qui es-tu? N'approche pas. Ne me touche pas. Arrière! Monsieur Latouche, toujours en train de prodiguer ses soins aux affligés? Bonjour viendra, Libertin. Plutôt que tu...
qu'il a fait à Thierry? Ah, je me souviens de ces hurlements. Ils n'en finissaient plus. Tout ça parce qu'il s'était trompé dans les comptes. C'est vrai? Je pensais qu'il avait volé dans les caisses. Non, il a oublié un dans le registre. Quoi? Mieux vaut ne pas traîner, alors. Faites-le entrer, vite! Je sens que quelque chose ne va pas. Il est mort, monsieur. Alors jetez-le dans le caniveau et suivez-moi à l'intérieur. Il ne peut pas être bien loin.
être loin. Vraiment qu'un bon à rien, encore pire qu'un noble. Quelle est la consigne pour le malheureux d'Ulysses? Brûlé dans un incendie qui a tué sa famille et lui a fait perdre la tête. Un incendie? Tu sais à quel point je peine à les imiter sans faire brûler la moitié du quartier? Utilise un peu d'huile de vitriol. Les gens ne feront pas la différence.
d'habitude, et je te laisserai la vie. Les catacombes! Il est dans les catacombes, sous la vieille église! La touche. Je m'attendais à ce que tu sois un peu plus coriace. Que penserait ton maître? Mon Dieu! Mon Dieu, des... Si tu approches, ton compte est bon.
se fait mal. Révolutionnaire.